Face aux informations, intoxication, le phénomène se répand de plus en plus sur Internet ces derniers jours au Burkina Faso et sur des médias occidentaux avec pour objectif de nuire au régime actuel. L'avis de l'écrivain Adama Sigiré, interviewé à ce sujet par notre reporter Fatih Sankara, à suivre dans cette édition. En sport, le ministre en charge des sports annonce la suspension des élections de renouvellement des structures dirigeantes du football. On en parle également dans ce 12h45. Voilà donc pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Bienvenue à tous. Et nous débutons par cette actualité. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a rendu visite ce matin à la RTB. Le chef de l'État est allé réconforter le personnel de la RTB, dont la quiétude a été troublée par un incident de tir la semaine dernière. En rappel, le mercredi dernier, un incident de tir a eu lieu dans la cour de la RTB. Le projectile tombé au sein de la télévision a causé 2 blessés et des dégâts matériels. Le président du Faso préside le Conseil des ministres après avoir fait un tour à la RTB. Je vous l'annonçais en titre. La campagne de dénigrement et d'intoxication des fake news ces derniers jours sur les réseaux sociaux et sur des médias occidentaux n'a qu'un seul objectif, c'est de détruire les efforts du régime actuel tout en démoralisant les troupes au front. C'est la conviction de l'écrivain professionnel Adama Sigiré. Fatih Sankara est allé à sa rencontre. Il n'y a rien de surprenant par rapport à la multiplication des intoxications et des fausses informations distillées par les médias occidentaux et certains Burkinabés sur les réseaux sociaux. Cette propagande de déstabilisation et de démoralisation des troupes est la résultante de la dynamique souverainiste amorcée par le président du Faso. Se convainc l'écrivain professionnel Amadé Adama Sigiré. Ces derniers jours, nous avons constaté une campagne de communication. Voilà, une campagne de communication basée surtout sur la désinformation à travers des fake news et des fausses informations provenant des médias occidentaux, mais aussi de certains Burkinabés qui ne résident pas au Burkina Faso. C'est aussi une stratégie de communication dans le but de nuire, dans le but de porter atteinte au pouvoir ici au Burkina Faso. Et la personne visée, c'est surtout le capitaine Ibrahim Traoré. Mais la communication des guerres, c'est aussi comme ça, hein. Nous avons décidé, nous, de faire la guerre et surtout de rompre avec l'impérialisme et le néocolonialisme. Donc, il va de soi que ces gens-là financent des gens pour communiquer, pour déstabiliser le pouvoir. Donc, je pense que c'est partant de cela que, d'abord, des Burkinabés qui ne sont pas ici au Burkina, parce qu'il faut le préciser, la plupart de ces activistes-là qui communiquent contre le Burkina Faso ne sont pas au Burkina Faso. Des Burkinabés sont financés par ces pays impérialistes et pour communiquer et ainsi, leurs communications sont relayées par les médias occidentaux, en l'occurrence TV5 Monde et aussi France 24 et surtout RFI, parce que ce sont surtout ces médias-là qui aident ces gens dans leur communication. Et l'objectif ici, c'est de nuire, c'est de déstabiliser le pouvoir, c'est de montrer aux Burkinabés qu'ils ne peuvent rien faire eux-mêmes sans la France. Voilà, c'est de leur dire, vous avez décidé de rompre avec nous, vous allez souffrir, vous ne pouvez pas trouver de voie, la meilleure voie, c'est l'unique voie qu'on vous avait imposée. Donc, toute cette campagne rentre dans ce schéma-là, c'est détruire, c'est de nuire, c'est de faire mal et c'est d'empêcher les autorités burkinabè d'atteindre leurs objectifs. Mais quelle devrait être la posture des autorités face à ces intoxications? Pour Amadé Adama Sigiré, il n'y a pas de pitié. Il faut retirer la nationalité aux Burkinabés qui sont à la base de ces propagandes. Il va plus loin pour soutenir la suspension des médias de désinformation, qu'ils soient nationaux ou internationaux. En communication, quand l'autre communique, vous avez l'obligation, vous aussi, de communiquer. Mais aussi, c'est de prendre aussi des mesures répressives. Voilà, contre d'abord des Burkinabés qui ont renoncé à l'amour de leur patrie et qui communiquent contre le Burkina Faso. Et là, il faut aller un peu loin pour voir, parce qu'on ne peut pas décider de combattre sa propre nation tout en gardant la nationalité de cette nation-là. À partir du moment où vous renoncez à l'amour de votre patrie, à partir du moment où vous dites que vous vous moquez de votre patrie comme de l'an 40, vous n'aimez pas votre patrie, et vous ne pouvez pas détenir la nationalité de cette patrie-là. Comme je l'ai dit, il n'y a que ici en Afrique et peut-être au Burkina Faso qu'on voit des individus qui se comportent comme ça. Dans les pays occidentaux, vous ne verrez pas un Français, un Suisse faire des telle chose. Donc, si des gens se comportent comme ça, l'État aussi, par conséquent, doit prendre ses responsabilités et certainement
voir ce qu'il faut faire pour déchoir ces gens-là de leur nationalité. Au niveau des médias occidentaux aussi qui accompagnent ces gens-là dans leur campagne de communication, de désinformation aussi, ben, il faut simplement couper ces médias-là ici au Burkina Faso. On ne peut pas permettre à des médias de communiquer ici au Burkina Faso contre l'État burkinabé, contre cette nation qui est en guerre. Donc, au niveau des médias, c'est la suspension pure et simple. Même si c'est un média national ici au Burkina Faso qui décide de communiquer contre le Burkina Faso en cette période de guerre, il faut le suspendre. Et à ce niveau, je suis catégorique. Amadé Adama Sigili invite les Burkinabés à la solidarité et à la détermination face à cette guerre contre les terroristes. Face aux suspicions croissantes sur l'authenticité des images du don de sang du président du Faso, la FADOSAB, la Fédération des associations des donneurs de sang bénévoles du Burkina Faso, a tenu une conférence de presse hier à Ouagadougou pour lever tout équivoque. Nous en savons plus avec Daouda Yamungo. La FADOSAB, la Fédération des associations des donneurs bénévoles de sang du Burkina Faso, s'insurge contre ceux qui affirment que le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, n'était pas présent à l'occasion de l'opération du don de sang à la présidence. Son Excellence, Monsieur le chef de l'État, a bel et bien donné l'exemple en donnant son sang le 14 juin 2024 au palais de Koulouba. Nous y étions tous, y compris les responsables du Centre national de transfusion sanguine. Et c'est sous nos yeux que le capitaine Ibrahim Traoré a effectué toutes les étapes recommandées en matière du don de sang avant de se prêter au prélèvement de son propre sang par les agents qualifiés à la matière. Nous sommes donc surpris et outré de constater que des individus qui n'ont pas pris part à cet événement veuillent remettre cet acte de solidarité en cause. Certains, sans la moindre preuve, ont même poussé le bouchon plus loin en affirmant que les images de la séance du don de sang dans laquelle on voit aisément le chef de l'État donner son sang sont des images d'archives de 2023. Au cours de la conférence de presse, Jean Bosco Zundi s'est dit indigné par les propos de Khalifa Rasséré, qui a affirmé sur le plateau de la télévision BFM que les images montrant le chef de l'État donnant son sang sont des images d'archives. J'aimerais dire que c'est très ridicule de sa part. Ce n'est pas, j'aime dire, catholique de sa part. Quelqu'un d'autre pourrait venir de lui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être tellement impérialiste à ce point que tout ce qui vient de ton pays là est négatif. Jusqu'à ce qu'il dit qu'il a des preuves. S'il a des preuves et qu'il ne nous amène pas, nous prenons la responsabilité de le poursuivre. Pour Jean Bosco Zundi et ses camarades, ces suspicions peuvent porter préjudice aux activités de sensibilisation sur le don de sang. Si la FADOSAB se trouve aujourd'hui profondément blessée par cette polémique, c'est parce qu'elle ternit l'image de nos activités. Et il ne fait aucun doute que cette polémique porte préjudice aux activités de la FADOSAB, car elle décourage les donneurs de sang et l'ensemble des acteurs qui œuvrent quotidiennement pour rendre disponible le sang dans nos formations sanitaires. Rappelons que la polémique est née au lendemain du don de sang du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, lors de la Journée mondiale du donneur de sang, célébrée le 14 juin dernier. Autre sujet, dans ce 12h45, bientôt une route principale plus praticable dans le quartier Songnaba de l'arrondissement 6 de Ouagadougou. Une bonne volonté, Awa Bonkungu a décidé de reprofiler la voie Tarkaï de Songnaba, longue de près de 5 km. Le lancement du reprofilage de la voie a eu lieu hier. Le compte-rendu de Yakuba Kiemtouri. Coup de pelle et le temps est donné pour le reprofilage de la voie Tarkaï de Songnaba. Dans quelques semaines, le calvaire de la population de l'arrondissement 6 de la commune de Ouagadougou va prendre fin. Cette initiative est l'œuvre de Awa Bonkungu, une bonne volonté qui a décidé d'accompagner la mairie de l'arrondissement 6
et le gouvernement dans l'amélioration du cadre de vie des populations. Moi, je pense que c'est la choisie de faire réflexion à cette voie. C'est une femme battante qui est dans l'arrondissement. Ce n'est pas dans cet arrondissement seul que la femme a aidé. C'est parce que c'est une femme, elle voit que la voie est impraticable. C'est pour ça qu'elle a choisi de faire cette route. Mais dans l'arrondissement, elle veut faire 5 km comme ça. Elle a proposé pour faire. Le reprofilage de cette voie de près de 5 km à Songnaba est salué par les premiers responsables de la mairie de l'arrondissement 6. Ils ont invité les personnes de bonne volonté à s'inscrire dans cette dynamique. Au nom de Madame la Présidente de la délégation spéciale de l'arrondissement 6, nous disons grand merci à cette bonne volonté. Mais voilà une personne qui a décidé vraiment d'aider la mairie, d'aider le gouvernement pour arranger cette voie. Effectivement, nous invitons d'autres bonnes volontés qui ont la capacité vraiment d'aider, en tout cas de prendre l'initiative. Ce que Mme Bonkoung a fait, c'est déjà bon à louer et je pense que on dit copier dans le bon sens, c'est pas mauvais. Voilà, on invite en tout cas toute bonne volonté à copier l'initiative pour donner plus de voix arrangées dans l'arrondissement numéro 6. La population de Songnaba a également félicité Awa Bonkoung pour son action. Cette bonne volonté n'est pas à sa première initiative. Elle œuvre pour le développement durable de la commune de Ouagadougou. Et puis les lauréats du prix Galien 2024 de Savane Media ont présenté leur prix au PDG du groupe Savane Media. Le PDG a traduit ses encouragements aux lauréats et les a invités à redoubler d'efforts pour les éditions à venir. Sidiki Kabri. Au Galien 2024, Savane Media a décroché deux prix. Le prix officiel de meilleure présentation du journal en langue maori et le prix spécial du président du FASO dans la catégorie Grand Reportage Radio. Les deux lauréats, Bouba Ouedraogo et Issa Omar Atié, présentent ici leurs trophées et attestations au PDG de Savane Media. On est venu ce soir présenter nos différents prix au PDG de Savane Media. Et là, Zida Boubacar, donc, on a jugé nécessaire, étant le premier responsable de Savane Media, en tout cas, il était nécessaire pour nous, lauréats et employés de Savane Media, pour qu'on puisse bien lui, en tout cas, présenter le prix fruit d'efforts collectifs de tous les employés de Savane Media qui ont contribué d'une manière ou d'une autre donc, à la réalisation de des reportages qui ont remporté le prix et également à la réalisation des différents journaux parlés qui ont également remporté des prix. Et il n'a pas cessé de nous le rappeler, de redoubler d'efforts et il nous a également conseillé de prendre ce prix-là comme une invite encore à bien faire et rester toujours optimiste car en tout cas il a dit que l'avenir est radieux. Surtout qu'on est encore jeune, on a beaucoup de choses à réaliser encore et c'est pas seulement pour nous les lauréats mais à tous les employés de Savane Media. En tout cas, de redoubler d'efforts et Inch'Allah, on va avoir encore plusieurs autres prix pour les célébrer encore. Ils reçoivent les chaleureuses félicitations du PDG. Boubacar Zizadi Sidnaba salue leur travail remarquable et surtout leur contribution significative à un journalisme de qualité au Burkina Faso. Pour lui, ils ont le devoir d'aller de l'avant. Il se peut que l'avenir est encore devant. Je sais que vous méritez mieux que ça, mais il faut toujours et redoubler des efforts. Et comme ça, les prix, c'est une villa, non? Oui, Super Galia. Super Galia, là. Mmh. Voilà, n'est pas loin de vous. Voilà, il faut toujours participer en ayant les prix que les Super Galia, c'est vous. Voilà, pas de pessimisme. Il faut rester toujours dans l'optimisme, tout en travaillant, en faisant des travaux de qualité. Encore une fois de plus, je vous encourage. Avant cette étape, les lauréats ont reçu les félicitations du directeur général et de tout le personnel. La 27e édition des prix Galien s'est déroulée le 14 juin 2024 au Sénaza.
Plus de 1000 pèlerins ont perdu la vie lors du grand pèlerinage à la Mecque. Les raisons sont dues à une hausse de la température. Parmi ces décès, on enregistre le décès de 5 pèlerins burkinabés. La synthèse avec Pakisba Mariam Ouedraogo. Plusieurs pèlerins ne quitteront pas la terre sainte de l'islam. Avant la fin des rites du pèlerinage, les autorités saoudiennes ont recensé plus de 1000 morts à cause du stress thermique. Le thermomètre affichait à ce moment 51,8 degrés Celsius à la Mecque. Parmi ces morts, 600 Égyptiens, 35 pèlerins tunisiens, 5 pèlerins marocains, 68 pèlerins ressortissants indiens, 60 jordaniens et 5 pèlerins burkinabés. Le ministre saoudien de la Santé, dans un communiqué, a demandé aux pèlerins de tenir des parapluies, boire régulièrement de l'eau et d'éviter de s'exposer au soleil. Rappelons qu'en 2015, plus de 2000 pèlerins sont morts lors d'une bousculade à Mina. En 2024, l'Arabie saoudite a enregistré 1,8 million de pèlerins, dont 1,6 million d'étrangers. L'actualité sportive est marquée par la suspension du processus de renouvellement des structures dirigeantes du football burkinabé. Dans une lettre, le ministre en charge des sports a indiqué qu'au vu des difficultés que rencontrent ces structures dirigeantes du football, il vient suspendre le processus. Un nouveau calendrier sera communiqué. Le mandat du président de la Fédération burkinabé de football, Lazar Bansé, prend fin en août. Pour rappel, les élections pour le renouvellement des instances dirigeantes de la FBF devaient se tenir le mois d'août prochain. Ainsi se referme ce Savane Midi. Merci à vous qui l'avez suivi de bout en bout. Merci pour votre constante fidélité. L'actualité continue sur Savane TV.